aujourd'hui, qui est mobilisé et pourquoi aux urgences? Le service des urgences du centre hospitalier d'Angoulême est mobilisé entièrement entre tous les corps de métier qui vont du médecin, cadre, infirmière, aide-soignant, brancardier, afin de faire comprendre à la population qu'il y a un manque réel de personnel au sein de ce service. Ça se traduit par quoi dans le travail quotidien? Ça se traduit sur une surcharge de travail au vu du passage aux urgences. Il manque des infirmières, il manque des aides-soignants, il manque de brancardiers, on manque de médecins, de cadres. À toute fonction, il y a un manque. Et vous avez estimé en chiffres ce manque? On est sur un manque qui serait à peu près d'une dizaine de postes. Dans tous les corps de métier? Dans tous les corps de métier. Bon, c'est bon. On va...